Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui sur ce format pour vous présenter donc le Proof of Value et cadrage métier. Donc je me présente, Larbi Rabi, je suis business developer chez Midral et je vais d'abord commencer par vous expliquer qui on est ainsi que notre approche et on aura donc l'occasion de finir par ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le Proof of Value et le cadrage métier. Donc Midral est un cabinet de conseil expert en data, donc on est un pur player hein, donc de la valorisation de la donnée. On est aussi donc centre de formation, ce qui nous permet donc d'accompagner les utilisateurs clés dans leur montée en compétences et surtout dans leur autonomie dans l'utilisation des solutions BI et Analytics. Donc aujourd'hui, on a plus de 500 références. On a commencé donc historiquement dans le secteur de la banque, de l'assurance, de la finance. On a donc su après, bien sûr, dupliquer hein, cette expertise au sein d'autres secteurs, donc le retail, le service, l'industrie, le public. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable d'adresser tous les besoins, en tout cas métiers, et surtout de pouvoir proposer des approches personnalisées en fonction de tout type de taille au niveau des entreprises avec lesquelles on discute au quotidien. Donc, au niveau de notre démarche, on est sur bien sûr une démarche qui est très orientée sur la partie donc cycle de valorisation de la donnée, hein, c'est ce qui nous caractérise. Et on a deux approches en tout cas qui permettent de pouvoir répondre à ce besoin qui va être donc la partie donc data préparation et la partie donc data visualisation. Mais avant, on est sur des discussions essentielles qui sont importantes, qui va être de nous permettre de connaître davantage et encore mieux, bien sûr, le contexte en termes de business, en termes de métier, en termes d'enjeux. Donc, c'est déjà sur ces premières itérations qu'on va commencer à travailler, en tout cas qu'on va commencer à discuter, parce que c'est ce qui va driver l'approche et surtout le service qu'on va proposer de façon personnalisée. Donc ça, c'est vraiment des points importants qui est donc des points qui va driver en tout cas la stratégie business de l'entreprise. Et donc une fois qu'on aura discuté et qu'on aura forcément répondu ou travaillé avec les interlocuteurs sur leur réflexion d'optimisation hein, sur ces aspects de pilotage donc et décisionnel, on va travailler sur la collecte de la donnée. En tout cas, on va travailler à localiser la bonne donnée, toujours en adéquation avec les besoins métiers, mais on va pouvoir, grâce à ces discussions-là, avoir une pertinence, en tout cas une compréhension qui nous permettra d'aller chercher les bonnes données afin de la traiter, de la valoriser, de l'enrichir, de la nettoyer, de sorte à pouvoir avoir un dashboard derrière qui permette de pouvoir atteindre ces objectifs qui soient en adéquation aussi avec les besoins exprimés, en tout cas lors des discussions avec les métiers, en tout cas sur la stratégie business, et de pouvoir avoir donc un visuel qui soit ergonomique, intuitif et qui pourra aller jusqu'au data journalisme. Un format qui permettra d'augmenter ou d'optimiser encore plus l'adoption des utilisateurs internes et surtout de pouvoir apporter une vision encore plus collaborative à la data visualisation, en tout cas sur l'aspect mise en forme des KPI et des indicateurs clés essentiels au pilotage décisionnel et aussi à la conduite de la performance de l'entreprise. Pour compléter ce que je viens de dire, on est sur aussi une culture qu'on essaye bien sûr voilà, de développer hein, lorsqu'on discute aussi avec les entreprises. Donc cette culture data-driven, qui est aussi un levier ultra efficace hein, pour booster la prise de décision. Donc on parle de cycle de valorisation de la donnée, mais en tâche de fond, il y a toujours cette empreinte un peu data-driven qu'on va travailler au fur et à mesure. Donc déjà sur l'accessibilité des données, sur la localisation des bonnes données, afin que l'entreprise puisse les consommer. Ça va être vraiment un axe de travail qui va être important et pouvoir faire ressortir les insights clés en temps réel et qui va permettre d'agir encore plus vite. Et encore mieux aussi sur tout simplement l'analyse, sur les prises de décision encore plus poussées et encore plus pertinentes afin de pouvoir être dans cette dynamique de performance et surtout en adéquation et en corrélation avec la stratégie business de l'entreprise. Pour répondre à cette démarche aussi qu'on met en place, on a donc une suite de services packagés que je vais vous présenter en tout cas à travers déjà dans un premier temps du Proof of Value et du cadrage métier. Mais on a aussi donc d'autres aspects donc de suite de services qui va venir bien sûr être dans cette proposition hein, qu'on va faire en termes de services, donc data performance et data design.
Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, donc ça va être le Proof of Value et le cadrage métier. Donc, au niveau du Proof of Value, ce qui va être déjà déterminant lors de cette étape, c'est le résultat. Voilà. Donc, quand on parle de Proof of Value, on a souvent des interlocuteurs qui veulent tout de suite avoir une vision de ce que ça va donner. Avant d'aller plus loin sur un projet d'envergure, ils veulent tout de suite avoir des éléments concrets à présenter en interne pour pouvoir convaincre les utilisateurs finaux ou les décisionnaires et surtout éliminer tous les aspects de complexité ou de risque qui pourraient être aussi des sujets donc de discussion en interne. Donc là, on est là aussi pour leur prouver la valeur de la solution à travers cette démarche-là. Donc à travers cette démarche, donc bien sûr, quand on dit proof of value, donc c'est de la valeur qu'on essaie de dégager, bien sûr, avec des enjeux et des bénéfices qui va être, on va dire, le driver hein, de cette étape. Donc ça va s'orchestrer de la manière suivante avec différentes étapes hein, que vous allez voir juste après. Donc là, bien sûr, le business case, définir des objectifs, la préparation de la donnée et surtout la scénarisation du résultat. Mais pour pouvoir conduire ce proof of value, on va partir donc du business case, hein, donc il faut bien sûr fixer ensemble, qui va être, on va dire, déjà le point de départ hein, pour pouvoir après travailler sur ce proof of value de façon concrète. Et après, de monter sur l'identification des données, la qualification des bonnes données, la cartographie des bonnes données de façon concrète sur cette étape-là. Donc, et bien sûr, de pouvoir la préparer, la valoriser. Le but étant d'avoir une analyse et une exploration des données qui soit au plus proche de ce qui est attendu. Alors déjà, sur ce proof of value, on va pouvoir déjà travailler sur ces aspects-là et donner, on va dire, une visibilité sur ce que pourrait être la solution cible en mode production et en mode industrialisation. Mais déjà, d'avoir les certitudes que c'est la bonne solution déjà, et surtout d'apporter à travers un résultat, surtout une visualisation de la donnée, une ergonomie, d'avoir quelque chose de concret qui puisse être présenté et qui puisse bien sûr valider et conclure qu'on part sur la solution qu'on a donc démontrée ensemble, et surtout qu'on va pouvoir aussi capitaliser sur cette espèce de proof of value pour pouvoir travailler sur l'industrie. Industrialisation de la solution et surtout de mettre en place la solution cible en mode production. Ensuite, il y a le cadrage métier qui est donc une démarche qui est, on va dire, une dynamique similaire, sauf que là, on va pas partir sur tout de suite quelque chose de concret selon le niveau de maturité hein, des interlocuteurs qu'on peut avoir, mais ça va être plutôt une phase de réflexion qu'on va travailler. En fait, là, on est vraiment en amont. On doit structurer. C'est un besoin qui est exprimé hein, de la part des interlocuteurs avec lesquels on discute. Ils ont besoin d'un accompagnement déjà sur la structure de leurs idées, sur la structure déjà des enjeux du business. Il faut les accompagner sur toutes ces questions-là qui vont être bien sûr des questions qui vont permettre de pouvoir assurer la réussite du projet. Donc, c'est une approche différente, mais tout aussi complémentaire dans la dynamique hein, et dans l'objectif de la réalisation d'un projet d'envergure aussi. Mais là, on va plutôt travailler sur des aspects qui vont être de rappeler les enjeux, en tout cas de les mettre en visibilité ensemble, de pouvoir travailler sur ces sujets-là grâce à notre expertise aussi, parce que c'est pour ça qu'ils viennent aussi nous chercher, c'est par rapport à notre expertise, à notre façon de voir les choses aussi, et de pouvoir les orienter sur le périmètre, la méthodologie la plus adaptée et le planning, afin d'avoir une feuille de route qui soit complètement en adéquation avec la réussite du projet attendu, en tout cas dès les discussions qu'on aura ensemble sur cet aspect de cadrage. Donc ça va s'articuler de la même manière, on va avoir différentes étapes, hein, même sur le cadrage, même si c'est une phase plus en amont et avec l'aspect réflexion qui est très présent, parce que là on reste vraiment dans le domaine de la réflexion. Donc là on va être sur la compréhension bien sûr du business, donc ça c'est important de pouvoir identifier avec eux tous ces aspects donc de compréhension business et de définition bien sûr des KPI métiers qui vont être derrière.
voilà le point d'ancrage sur cette feuille de route qu'on va pouvoir travailler ensemble. Après, les usages aussi potentiels, puisque potentiellement, on peut aussi proposer des choses, challenger aussi des choses ensemble, aller plus loin dans l'analytics ou dans les KPI, ou même dans la récolte des données, dans la connexion aux données, de pouvoir proposer quelque chose de plus avancé. Donc ça peut être initiateur derrière d'usages potentiels qu'on peut aussi mettre en place. Et donc la donnée qui va être bien sûr toujours, toujours, toujours cet aspect de source de données, d'analyse de la source de données nécessaire afin de définir tout simplement les points sur l'aspect donc cartographie de la donnée, réalisation du projet aussi avec l'aspect très métier, parce que cette donnée nécessaire va être aussi bien sûr drivée par les enjeux métiers qui ont été donc identifiés ensemble au début, en fonction donc du projet attendu ou du projet qui serait en réflexion à réaliser. Et ça, c'est vraiment cette manière aussi de pouvoir la récolter et s'y connecter aussi. Donc ça, c'est des sujets qu'on va bien sûr travailler ensemble et discuter ensemble à travers différents ateliers. Et donc ces discussions vont nous amener à une roadmap qu'on va être à même à vous proposer pour tout simplement l'atteinte des objectifs clés et surtout l'atteinte des objectifs dans la réalisation du projet sur lequel on pourra vous amener jusqu'à une visibilité, une projection sur le travail qu'on pourra réaliser sur le projet qui va être traduit sur les investissements en termes de data prep, en termes de data vise, sur les notions aussi de productivité, aussi sur l'utilisation au quotidien de la solution. Donc ça va être aussi une projection qu'on pourra vous amener et pouvoir aussi bien sûr tout simplement arriver sur la réussite du projet, parce que ça va être surtout ça qui va être le lien conducteur hein, de cette phase de cadrage. Donc pour conclure, voilà, vous avez donc deux approches que je vous ai donc détaillées, en tout cas expliquées hein, sur les phases de service hein, packagées. Donc une phase beaucoup plus dans le concret avec le POV, hein, le Proof of Value. Donc concrètement, on est là pour tout de suite avoir un résultat sur un format court, mais qui va nous permettre de pouvoir capitaliser derrière sur la mise en place d'un projet en industrialisation et en production. Mais ça va être un format qui va vous permettre tout de suite de pouvoir identifier tous les points, toutes les étapes sur lesquelles on sera amené à travailler de façon beaucoup plus avancée sur le projet, et surtout de pouvoir en conclure que c'est la solution qu'il vous faut, que c'est la solution la plus pertinente, en tout cas la solution qui puisse remplir en tout cas toutes les cases, en tout cas cocher toutes les cases, et qui vous permettent d'aller sereinement sur le projet avec une démarche vraiment très concrète et surtout avec un résultat qui vous convient, en tout cas sur cette phase de Proof of Value. Après, vous avez donc le cadrage, comme je l'ai expliqué, qui est plus dans le rédactionnel, plus dans la réflexion. On est encore en train de réfléchir et là, on peut encore vous accompagner sur ces sujets de structuration de vos idées, sur les aspects business, sur les aspects métiers, sur les enjeux. Et on va reprendre aussi tous les points essentiels à la réalisation et la réussite du projet. Dans la méthodologie, on va toujours aborder les points donc de connexion aux données, de localisation des bonnes données, d'avoir aussi cette vision aussi analytics pour pouvoir répondre aux besoins donc cibles en termes de vision, d'interaction, de dynamique, voilà tous ces aspects très orientés data vise sur lesquels on va pouvoir bien sûr travailler dès la phase de projet à travers donc une roadmap qu'on pourra donc vous délivrer et surtout avoir cet élément-là comme élément de départ, en tout cas pour pouvoir travailler après sur la suite, sur le projet à grande échelle et surtout vous accompagner sur la réussite, bien sûr, du projet. Dans tous les cas, je reste à votre disposition pour continuer à discuter ensemble avec plaisir. Vous avez mon adresse mail et vous avez aussi les pages sur le Proof of Value et le cadrage métier sur notre site Midral. En tout cas, j'espère qu'on aura donc l'occasion très rapidement de pouvoir continuer à discuter et j'espère que en tout cas cette présentation vous donnera déjà une vision de comment Midral peut intervenir quel que soit votre niveau de maturité. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.